Laurent Magazine, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec mon petit Sushi. Donc, on va pouvoir faire Stray, le nouveau jeu. C'est un distributeur français, donc qui est du sud de la France, qui ont fait ce petit jeu. Donc, c'est un petit chat errant qui doit retrouver une aventure mystérieuse. Donc, on va découvrir ça après générique. T'es parti, Sushi? T'es prêt? Donc ça y est, on est dans le jeu, donc on va jouer le petit chat, ça a l'air un jeu assez mignon. Donc on va vivre son aventure et là on commence avec un jour de pluie et c'est la nuit, hein, on voit la pleine lune. On va jouer à un chat qui a l'air roux. Hein. Alors il n'est pas comme le mien, moi le mien il est blanc. Blanc avec quelques taches rousses. Alors ça y est, on se retrouve dans une sorte de... Je sais pas, de couloir avec des tubes. Ok, donc là il y a l'orage. Ah joli cette vue. Alors ça y est, on est dans le jeu. Alors, ah, je peux interagir. Oh c'est mignon. C'est mignon. Je pense que tout le monde va faire. Oh. Oh. C'est mignon. Donc là, il, voilà. Il a essayé de jouer, mais l'autre le lave. Ok. D'accord, on voit peut-être des petites pattes de chat, hein, d'ailleurs, sur le carton. Bon, il faut aller les voir tous. Ah, ils jouent. Ils sont trop ch'timoumoun. Oh. C'est trop beau, n'empêche, hein. Mais je pense que beaucoup de gens qui ont des chats ou des animaux, bon, principalement des chats forcément, parce que ceux qui aiment les chiens, ça dépend, peut-être qu'ils vont aimer quand même le... parce qu'ils aiment les animaux, donc ça va forcément les interpeller. Mais en tout cas, le jeu a l'air très beau. Hein. Voilà, donc là, ils se sont fait un bisou, ok. On peut descendre ou pas? Non, on est bloqué. Bah, il pleut forcément. Ah, faut peut-être se coucher avec eux. Donc là, on va faire la découverte hein, du jeu. Voilà. Ok, fondu. Je pense qu'on va arriver à la journée ensoleillée du lendemain. C'est ça, on voit le petit chat qui va se réveiller. C'est trop mignon. Avec un petit papillon en arrière-plan. Ah, le plan est très beau, hein, comme ça. Ah, c'est le petit papillon qui le réveille. Ils ronronnent ou pas? Ok, donc ça y est, le jeu, bah, c'est le lendemain hein, de ce petit câlin collectif pour dormir. Donc là, les 3-4 chats se réunissent. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai pas encore le contrôle du jeu, hein, c'est de l'animation. À l'intérieur du mur. Ok. Donc peut-être qu'il faut sortir de cet environnement. Donc là, on descend les tubes. C'est un peu abandonné, hein. Donc nous, on joue le chat roux. Ah oui, d'accord, on est juste en bas. Ok. Là, c'est bon, j'ai repris la caméra. Là, le petit chat noir. Alors, est-ce qu'il y a des trucs par là? Je vous avoue que je vais éviter de trop chercher, comme ça on avance. Ah, là, je peux sauter. D'accord. Donc, X pour sauter. Quand, en tout cas, vous avez l'option. Rond, ça fait quoi? Ah, ça miaule! Appuyez sur rond pour miauler. Bon, il se parle, là. Oh, c'est trop mignon!
Je vais vous saouler avec le fait de miauler. Ah, là on saute, ok. Allez, on avance. Ah, là il y a un petit truc. Triangle. Alors, qu'est-ce... Ah, il faut se faire les griffes. Vas-y, fais-toi les griffes. Comme ça, tu me les fais pas sur le canapé, sur la tapisserie, sur les stores japonais. Merci, Sushi. Voilà, donc là, je sais pas pour l'instant à quoi ça sert, mais en tout cas, on peut se faire les griffes. Voilà, là-bas, je pense pas qu'il y ait quelque chose d'autre. Vas-y, on s'approche. Allez, on monte. Ah, là, il y a un truc. On peut boire. Ok, bah vas-y, bois un petit coup. On va l'appeler Sushi, hein. On va avancer. Donc là, allez, on descend. Ouh, que c'est joli. Ok, ah, là on peut interagir. Vas-y, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, ça ronronne. Allez, on avance. Je sais pas s'il faut interagir comme tout à l'heure avec tous les chats. Là, il n'y a rien. Est-ce que par là, il y a autre chose à voir? Je pense pas. Là, il n'y a rien d'autre. En fait, je suis monté là, mais il n'y a rien. D'accord. Vas-y, nous, on descend. Faut tout redescendre. Bon, là-dessus, on va pas y aller. Ah, tu peux aller sur le... Ah, d'accord. Tu peux aller sur la rambarde. Faut pas tomber, bien sûr. Regardez. Ouh là là, le vide. Ça lui fait pas peur, hein. Maintenir X pour enchaîner les sauts. D'accord. Miaou. Miaou. Allez. Regarde. C'est trop ch'ti moumoun. Vas-y, saute. Par contre, je peux pas courir pour l'instant. Ils me répondent. J'adore. Je peux pas ronronner. Vas-y, là on approche. Donc il aura toute une aventure à faire. Hein. Je vous rappelle que c'est un studio français qui a fait le jeu. Ils habitent dans le sud de la France, donc Cocorico. Et le jeu a eu de très bonnes notes depuis hier. Donc là, il sort ce 19 juillet 2022. Alors, maintenir L2 pour observer. D'accord. Bon, je pense qu'il faut aller en face. Allez, vas-y, on y va. Ok. Ça va, c'est pas très compliqué. Hein. Ah! Donc l'animation. Dis-moi pas qu'il va tomber. Allez, tu vas y arriver, Sushi. Oh. Oh. Oh non. Il va être séparé de ses frères et sœurs. Je vous mettrai d'ailleurs une petite vidéo de Sushi avec, avec son frère Éclair. Je les ai gardés pendant 2 jours. C'était sympa. Allez, après cette petite vidéo de mes 2 petits chats, Sushi et Éclair. Enfin, Éclair, c'est pas le mien. Mais j'ai gardé son frère. Du coup, voilà, on se retrouve dans, dans les bas-fonds. Oh, il a mal à la patte. Oh, il a la mal à la patte arrière. Oh, on voit rien du tout. Il peut pas aller vite en plus. Alors là, je pense que je vais dans le mauvais sens. Hein. Vas-y, il faut aller tout droit, Sushi. Il fait quoi? Je vois rien. Ah, il est peut-être fatigué. Hein. Ouais, parce que là on a une animation, donc je pense qu'en fait mon chat il a dû se fatiguer. Oh, il y a quelque chose dans un sac poubelle qui bouge.
Dis-moi pas que c'est moi. Je suis pas dans le sac poubelle quand même. Là, il y a une porte qui s'ouvre. Ok, il y a des petits trucs. Je pense qu'il faut aller tout droit. Ça y est, allez, là on avance encore. Donc, je sais pas, il y a sûrement des choses à voir par ici. Ok. Ok, donc bon, il s'est reposé. En tout cas, il a moins mal à la patte. Hein. Ah, trophée obtenu, saut raté. D'accord. Donc, c'est au niveau de l'histoire, on a avancé. La ville morte. Ah oui, on passe vite du coup, hein. Bon, on va juste faire un tour ici, mais comme ça, on voit, on découvre un petit peu... Oh là là, ce que c'est beau, là. Les éclairages et tout. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de coins cachés, parce qu'il faut sûrement monter par les échafaudages. Non ? Je sais pas. Je dis ça. Non, ou par les cagettes. Je peux pas monter sur les cagettes. J'ai pas envie de perdre trop de temps en fait avec ça. Ok. Ah, là il y a un robot. Ah mais sinon c'est une caméra. Bon, on va essayer d'avancer. J'essaierai de découvrir des choses que je ne connais pas un peu plus tard. Ouais. Là il y a des petits robots. Oh. Là, il y a un robot qui est par terre. Ok, bon, on va avancer. En tout cas, c'est très beau. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça magnifique. On est dans une ville un peu apocalyptique. Alors, par contre... Il ne faut pas tomber dans l'eau, là. Vas-y. Ah, c'est là. Là... Où est-ce que je saute? Ah, ici. Vas-y, on avance. On avance toujours. Qu'est-ce qui se passe par là? Là, il y a les poubelles. Là, je peux pas... Si je miaule. Non, il se passe rien. On avance par là, puisqu'on voit qu'il y a écrit « Stray, follow me », donc « Suivez-moi ». Donc, je pense qu'il faut aller par là. Vas-y, saute sur la table. Non, il n'y a rien. Donc, il faut peut-être passer par la fenêtre. Allez. Là, il y a un truc. Ah. Vas-y, on va essayer de... Est-ce que ça met de l'eau dans le seau ou pas? J'ai pas l'impression. Lâcher. Ah, peut-être qu'il tend. Si je fais ça et que je le pose là où il y a l'eau... Bon, je sais pas, j'ai essayé un truc. Vas-y, on grimpe. Ah, d'accord. Je pense qu'il faut mettre le seau. Vas-y, à l'intérieur. Ah, mais il y a plein de trucs. Il y a une gamme. Ah oui, c'est plein de petits seaux, d'accord. Vas-y, est-ce que je peux? On va essayer de faire comme ça, hein. Ok. Là, c'est quoi? Il faut les faire tomber. Bah, les chats, ils aiment bien faire tomber les objets. J'ai le problème avec tous mes amiibos de Splatoon. Je pense que dans pas longtemps, Sushi va se faire un malin plaisir de tout me faire tomber. Je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce qu'il y a à faire là? Donc là, on voit la verrerie en dessous. Follow me. Ouais, mais ils disent pas où je dois aller. Vas-y, on va sauter ici. Là, là. Ah, là, il y a encore un pot à faire tomber. Peut-être que ça casse le verre. Vas-y, encore. Ça va casser, je pense. Voilà. Allez, on peut rentrer dedans. Bon, je pense que le robot va pas être content. Follow me. Ok, vas-y, saute. Qu'il est malin ce charrière, on va mettre de la peinture partout. Ah là là, le petit coquin.
Ah, il faut se faire les griffes. Eh oui. C'est pour nettoyer les papattes? Ouais, là, il n'y a plus de peinture. Ok, bon, là, on l'a déjà fait. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Non, ça, c'est pour aller dessus. Là aussi. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pour boire? Mais en fait, je sais pas si on a de la vie, je sais pas à quoi ça sert de boire pour l'instant. Je vous avoue que j'en ai aucune idée. Ou est-ce que c'est un petit clin d'œil comme ça, sympa. Ok, donc là on voit. Ah, il faut prendre le. Bah, je pense qu'on va prendre le petit saut, puis on va s'arrêter là. Je sais pas s'il y a une animation. Hop, là on descend. Et on descend. Ok. Bon, on va s'arrêter là. Oui. T'es content, Sushi? Ah bon. Moi, je vais tout de suite chercher mon petit sushi, comme ça on vous dit au revoir. Voilà donc mon petit sushi qui me fait plein de petits ronrons. Ouais, t'aimes bien me faire plein de ronrons? On dit au revoir, Sushi? Au revoir. J'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à ma chaîne Laurent Magazine. Et moi, je vais essayer de continuer d'ailleurs le jeu Stray, hein. Pourquoi pas d'ailleurs sur Twitch, puisque vraiment, c'est très sympa. Donc, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitch et sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. On se dit à très vite. Allez, au revoir, Sushi. Allez, bisous!